La première fois que j'ai goûté du café, c'était de l'instantané. J'ai commencé à en boire très jeune. J'adorais cet arôme. Pour moi, c'était comme sentir mon parfum préféré. J'ai grandi dans la province chinoise du Hunan. Quand j'ai vu un caféier pour la première fois, pour moi, il donnait des fruits. Chaque fois que les cerises de café étaient mûres, je les cueillais pour les goûter. Pour moi, le café que je prépare avec attention pour les clients est un bon café, car j'y mets tout mon cœur. À mon avis, un bon café est d'abord délicieux et ensuite il vous met de bonne humeur. Le café est l'un des produits les plus consommés au monde. De plus en plus de Chinois commencent à découvrir ce breuvage venu d'ailleurs. Dans le quartier branché de Sanlitun à Beijing se trouve ce café. Dès qu'on franchit la porte, le brouhaha de la ville est derrière nous. On peut profiter d'un instant de quiétude en sirotant un bon café. Lorsque nous découvrons le café, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas le concept de café de spécialité. Je me souviens très bien de mon premier café. C'était une tasse d'espresso comme celle-ci. Cette boisson sombre et forte m'a ouvert la porte d'un nouveau monde. J'aime bien cette sensation de tenter l'amertume. Plus tard, j'ai réalisé que c'est cette boisson qui m'avait conquis. Le café de spécialité et le café commercial sont deux concepts différents. Le premier doit se conformer à certaines normes établies dans le secteur. Un établissement se voit attribuer une note suite à la dégustation de tasses qu'il sert. S'il obtient plus de 80%, on peut le qualifier de café de spécialité. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que le café de spécialité fait référence à l'environnement, à l'atmosphère ou à d'autres éléments qu'on lie à ce genre d'établissement. C'est en fait un concept que nous devons changer. Le café est en vogue ces dernières années en Chine. Ce breuvage énergisant attire une clientèle relativement jeune, toujours plus nombreuse, qui commence à connaître et apprécier ses propriétés. Certains jeunes, comme Zhang Xuan, en ont même fait leur métier. C'est mon amour pour le café qui m'a tout d'abord donné l'envie d'ouvrir un établissement. J'ai alors commencé cette activité et j'ai ensuite voulu posséder mon propre café. Au début, mon idée était relativement simple et je voulais juste prouver de quoi j'étais capable. Mais en fait, jusqu'à présent, je m'en tiens à ma philosophie. Dans la ville bruyante, on veut vous offrir un endroit calme. On peut considérer ce dernier comme une oasis. Il procure du bien-être à tous. Pour moi, c'est la réalisation de mon rêve. C'est aussi une sorte de bonheur. Le caractère social des cafés est aussi un élément important pour les jeunes consommateurs. Chaque établissement tente de se distinguer des autres en termes de la décoration intérieure. Dans ce café, de nombreuses plantes vertes apaisent instantanément les clients à leur entrée. Des œuvres de la nouvelle génération de peintres créent une atmosphère de calme et open moderne. Elles contribuent au charme de l'établissement. Qu'est-ce qu'un bon café ? C'est pour moi un endroit où on peut se poser, se sentir à l'aise, prendre une tasse et avoir un moment rien que pour ça. À mes yeux, le plaisir que procure une tasse de café dépend de l'endroit où elle est bue. En fait, on travaille avec des artistes et on change les objets exposés de temps en temps. L'artiste, quant à lui, souhaite que plus de gens comprennent et apprécient ses œuvres. De plus, il n'est pas nécessaire d'aller dans des lieux professionnels pour les admirer. Vous avez peut-être vu un tableau par hasard en buvant une tasse ou lors d'un rendez-vous avec un ami et vous l'avez trouvé intéressant. Dans le monde, quand on évoque l'Orient, on pense peut-être au thé ou au zen. Ce sont les images les plus traditionnelles, mais l'Orient que je veux montrer est le véritable Orient dans lequel nous vivons, pas celui dans l'imaginaire des autres. Cette esthétique orientale simple et rustique est mise en pratique jusque dans les détails. Les desserts, inspirés d'anciens poèmes chinois, ravissent les papilles. L'abricot représente le bonheur et la vitalité, et la pêche, la longévité.
La montagne symbolise le courage et le bambou, la modestie et l'intégrité. Ces desserts peuvent être accompagnés de différents types de café et les saveurs sont très appréciées parmi les clients. Je m'appelle Xue Chen et je suis barista depuis 8 ans. Pour moi, le café est un moyen de gagner ma vie ainsi qu'une partie de ma vie elle-même. Les grains de café traversent l'océan pour arriver en Chine. Leur état varie d'un jour à l'autre. Donc le café que vous buvez quotidiennement peut avoir un goût un peu différent. Voilà ce qui me fait penser que faire du café est assez difficile. C'est ce que je trouve particulièrement intéressant. Je préfère les grains avec des méthodes de traitement traditionnelles telles que le séchage au soleil et le lavage. Les grains de café séchés au soleil auront une saveur légèrement fermentée. Le lavage donne de la pureté au goût. J'aime regarder mes mains, regarder l'eau couler, attendre que tout le café s'écoule et enfin le verser dans un récipient. Je pense que c'est un rituel très important en tant que barista. Du café tout juste préparé, il est délicieux, goûtez. Le café que je prépare est bon, il n'y a aucune contestation possible. La jeune femme a une confiance en soi unique. Aujourd'hui, elle m'a recommandé un café artisanal avec des grains honduriens, accompagné d'un dessert bambou tété. J'attends cette combinaison avec impatience. Découvrons ensemble le goût de cette tasse de café. Ça sent bon. Avec un arôme mielleux et vanillé, c'est assez prononcé. En bouche, il y a une acidité bien maîtrisée, ça me plaît. Car c'est l'acidité qui apporte de la vivacité au café, mais elle ne doit pas être trop forte pour ne pas déséquilibrer la poisson. Là, c'est plutôt bien. Avec cette méthode de préparation, le corps est assez léger, mais avec une grande puissance aromatique. Notre barista m'a conseillé de le déguster avec ce dessert qui ressemble à un bambou. C'est vraiment chinois comme forme. Waouh. À l'extérieur, c'est au matcha et au pandan. Il y a également une autre couche au milieu. C'est au coup de noix de coco au milieu. C'est vraiment asiatique comme style. Vous savez, le bambou, dans la culture chinoise, c'est très apprécié. De nombreux poètes chinois ont célébré les nobles qualités du bambou, telles que résolu, modeste, pur ou encore intègre. Donc c'est très apprécié dans la culture chinoise. En plus, l'amertume et l'acidité du café se marient très bien avec ce dessert sucré et crémeux. C'est parfumé. L'après-midi, lorsque le travail est presque terminé, vous avez besoin de vous détendre. À ce moment-là, les gens préfèrent nos boissons spéciales créatives. Ces dernières sont principalement élaborées en fonction des changements de saison. La thé à l'avoine, c'est une boisson spéciale. Merci. Oh, ça sent le printemps, ça. C'est fruité et fleuri avec une saveur de lait de céréales. Quel est le lait utilisé ?
tu lait d'avoine. Oh, pas étonnant que ça sente si bon. Beaucoup de clients ne prennent pas de produits laitiers. Il n'y a pas de lait de vache dedans. C'est juste un extrait des nutriments de l'avoine. Oh, je vois. C'est bon. Peut-être un petit peu sucré pour moi, mais j'avoue que c'est vraiment un délice, quoi. C'est si parfumé. Est-ce uniquement la saveur de l'avoine? On ajoute du sirop de gardenia. C'est perceptible. Oui, mais il y a encore un goût de poire. Comment ça se fait? Ça vient de la confiture de poire. Alors, est-ce une poisson spéciale pour le printemps? Depuis qu'il a été lancé au printemps, il est très populaire et on envisage de la mettre au menu des quatre saisons. Oui, c'est une poisson créative. Elle est très onctueuse. Je pourrais la boire d'un trait. C'est vraiment spécial. Le goût est très spécial et les clients ne ressentent pas d'amertume. Oui, c'est pas du tout amer. Mais c'est dommage que ça ne le soit pas du tout. Je pense que le café devrait quand même garder un peu d'amertume et d'acidité pour mieux refléter sa saveur. Ça prouve que vous buvez beaucoup de café. Ce breuvage est principalement destiné aux gens qui souhaitent boire des boissons spéciales sans lait, car le lait d'avoine est plus convivial pour les clients intolérants au lactose. Vous êtes une cliente régulière ou c'est votre première fois? C'est la première fois que je viens ici. En fait, je ne suis qu'une simple amatrice de café. La première chose que je fais le matin, c'est de m'en préparer une tasse. Si je sors à café, j'en commande encore une ou deux, au moins une tasse par jour. J'ai commandé une tasse de café au lait. J'étais curieuse de savoir comment était le leur. Alors je suis venue goûter. Habituellement, j'aime boire du café. Le café est très intéressant. Le goût change en fonction des variétés, des méthodes de préparation et de la qualité de l'eau. C'est passionnant. Il y a un très bon environnement ici. C'est très calme, adapté au travail de bureau, mais aussi au rendez-vous l'après-midi avec des amis. Je pense que c'est pas mal du tout. Le café est un mode de vie, une sorte de partage. Je considère toujours celui qui vient dans mon café comme un ami. J'espère que ceux qui viennent ici passeront un bon moment et repartiront la joie au cœur. Ce que je veux apporter, c'est une attitude face à la vie. On estime que chaque minute, chaque seconde doit avoir un sens. Alors, le temps passé au café en a-t-il? J'espère que vous avez déjà votre propre réponse. Celui-ci qu'on va visiter aujourd'hui est spécialisé dans le café glacé côte à côte et met l'accent sur le style et l'indépendance. Explorons le plaisir de l'extraction à froid avec Wirahi qu'on a déjà rencontré dans l'épisode précédent. Bonjour Monsieur Wei, comment on se retrouve? Bonjour, bienvenue dans notre établissement consacré au café glacé goutte à goutte. Waouh, cet endroit est génial. C'est petit, mais l'ambiance est très bonne. Pendant ces années d'épidémie, les cafés ont cherché leur propre espace de survie. Donc ils deviennent de plus en plus petits. Tous les cafés sont en concurrence pour se distinguer. On a trouvé que cet endroit était particulier. En fait, je me demande pourquoi vous avez voulu ouvrir ce genre d'établissement. La première raison est que mon associé est un torréfacteur. Il pense qu'une bonne torréfaction rend les grains plus sucrés et que c'est l'extraction à froid goutte à goutte qui met cela le plus en valeur. C'est à basse température que la qualité du café se révèle. Un bon café est aussi délicieux quand il est froid. Tout d'abord, sa méthode d'extraction nécessite 8 heures. Waouh, c'est très long. Oui, 8 heures, c'est avec 30 grammes de poudre. Ce procédé est comme une loupe. Si le café est bon, sa saveur est magnifiée. S'il est mauvais, ses défauts sont amplifiés aussi. Le café glacé goutte à goutte a été inventé par les Hollandais au XVIIe siècle. Ils ont utilisé l'extraction à basse température pour réduire l'amertume du café et en même temps obtenir un goût rafraîchissant et sucré. C'est pourquoi le café glacé goutte à goutte est également appelé café hollandais.
Ce petit local, d'une superficie de seulement 10 mètres carrés, est si discret qu'on le voit à peine. Seul l'arôme de café incite les gens à s'arrêter. Ce qui frappe le plus, ce sont les 16 cafetières qui fonctionnent avec une précision horlogère. Cela donne un aspect esthétique au processus. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est l'extraction à froid goutte à goutte. On utilise un mélange de glace et d'eau pour extraire le café goutte à goutte. Ça prend de 6 à 8 heures. Pendant ce temps, l'air va augmenter sa fermentation et sa saveur. Bon, c'est le pot supérieur. En fait, il existe de nombreuses astuces. Regardez cette petite pierre, elle empêche la poudre de café de descendre. On met 30 grammes de poudre, mais on ne peut pas commencer le goutte à goutte directement. Il faut d'abord la faire tremper dans 60 ml d'eau. On peut voir d'ici que la poudre va se gorger d'eau. Afin que l'eau s'égoutte uniformément sur le café moulu, on met un papier filtre et un tamis filtrant. De cette façon, les gouttelettes d'eau peuvent pénétrer uniformément pour extraire le café. C'est comme le riz frit où chaque grain doit être cuit. En plus des 60 ml d'eau, on a également besoin de 240 g de mélange glace-eau. Il faut 120 g de glace auquel on ajoute de l'eau. Il faut ajuster cette soupape afin d'obtenir une vitesse de 2 gouttes par seconde. C'est un petit appareil avec un contrepoids. L'eau tombe sur la cuillère, celle-ci bascule. Lorsqu'on met en marche tous les pots, on se croirait dans une horlogerie, ça attire les clients. Le café goutte à goutte doit fermenter pendant 8 heures au réfrigérateur pour faire ressortir et enrichir ses saveurs. Comme vous avez vu, le processus d'infusion est très long. Il faut beaucoup de patience, mais heureusement qu'ils ont du café à l'extraction à froid tout prêt. On va pouvoir déguster. Les clients peuvent déguster de nombreux types de café glacé goutte à goutte. C'est un café du Guatemala avec torréfaction avancée. Donc c'est plus amer. Pour la torréfaction avancée, il n'y a pas d'exigence élevée concernant les grains. C'est plus corsé, avec un arôme de chocolat. À sentir, c'est chocolaté, caramélisé. En bouche, c'est très pur. C'est doux et moins d'acide. La concentration de café glacé est-elle particulièrement élevée? Oui. Peut-on le boire directement? Si vous pensez que c'est trop fort, vous pouvez le diluer avec des glaçons ou de l'eau glacée. On peut l'utiliser pour faire du café au lait ou du café créatif? Il ne vaut mieux pas. Ah, ça serait du gâchis. C'est comme verser du Sprite dans un grand vin. Ah, ce serait dommage. À mon avis, rien n'est bien ou mal avec le café. Il faut faire ce qui est approprié. S'il s'agit d'un grain de qualité particulièrement bonne, profitez de sa saveur naturelle. S'il s'agit d'un grain mal noté, on en fait du café créatif, du café au lait. Je pense que c'est logique de procéder ainsi. Les grains de café aromatisés à l'alcool et avec fermentation anaérobie sont maintenant plus populaires. Ça donne un petit goût de vin. Vous pouvez d'abord goûter. En fait, ces deux types ont eu une fermentation anaérobie, mais la qualité est différente. Lequel préférez-vous? Ça, c'est un peu plus acide. Et puis c'est vineux. C'est bon aussi. Oui. Celui-ci est un peu plus acidulé que le précédent. Souvenez-vous de ce goût. Ensuite, goûtez celui-ci. Ce lot de café a très peu de rendement. D'abord, humez-le. Est-ce très précieux? Oui, il est relativement rare. Cette torréfaction doit être parfaite. Si elle est trop avancée, la saveur de l'alcool est masquée. Mais dans le cas contraire, le parfum du café ne ressort pas. C'est très aromatique. C'est parfumé. Quelle est la différence entre les deux, d'après vous? Je sens une saveur indescriptible. Je ne sais pas ce que c'est. On l'appelle whisky tourbé. Ah oui, c'est ça.
Le goût d'alcool est plus prononcé à la fin. Même si c'est également un grain de café fermenté, sa qualité est complètement différente de l'autre. Les deux variétés aromatisées à l'alcool qu'on a bues ont été traitées de manière spéciale. Le principe est de faire fermenter les grains de café dans un récipient sans oxygène, et avec le travail des bactéries, le sucre de la pulpe se transforme en alcool. En fait, c'est le principe du brassage, mais il n'y a pas d'alcool dans le café, juste le goût de celui qu'ont pris les grains. Alors, en général, y a-t-il des exigences quant au traitement des grains ? Non, nous avons des grains de café lavés, séchés au soleil et avec fermentation anaérobie. Notre plus grande exigence est la torréfaction. Elle ne doit pas être trop ni trop peu avancée afin de laisser la saveur du grain se révéler pleinement. Chaque grain a son propre caractère, sa densité, tout comme les gens. Il faut l'exprimer, mais c'est le travail du torréfacteur. D'accord. C'est une variété qui s'est classée 6e au concours des grains de café et qui s'appelle Adorcy. Elle est de très haute qualité et a un goût de fruit de la passion. Ça c'est fleuri, floral. Ouais, avec cette méthode de préparation, ça donne une expérience aromatique complètement différente. C'est très différent du café artisanal habituel. Oui, elle a un arôme fruité fermenté avec une pointe de fraise à la fin. C'est le premier établissement du genre à Beijing ? Ce n'est certainement pas le premier à vendre du café glacé goutte à goutte. Mais nous sommes le premier établissement où vous pouvez boire autant de sortes. Ce que vendent les magasins hors ligne, c'est de l'expérience client. Si on choisit un café en se référant au prix sur un site web, on choisit très probablement le moins cher car l'expérience manque. Le café glacé goutte à goutte a une méthode d'extraction relativement rare. Alors à Beijing, est-ce que les gens l'adoptent ? En fait, les clients sont très désireux de connaître l'histoire du café. Ils achètent une expérience. Dans ce petit café, le retour des clients a dépassé nos attentes. Merci, j'ai acquis beaucoup de connaissances aujourd'hui. Monsieur Wei souligne toujours l'importance de l'expérience client. Et c'est la partie la plus attrayante de ce mini-café. Vous pouvez faire la différence entre ces deux cafés à la première gorgée. Celui-ci est très stable et convient aussi à l'infusion manuelle. Quelle est la durée de conservation de ce produit à la maison ? 3 jours. Si vous avez des glaçons à la maison, vous feriez mieux d'en ajouter pour le diluer car c'est une infusion concentrée. Vers midi, de nombreux cyclistes arrivent. Ils viennent ici aujourd'hui pour déguster une bière au café et essayer le charme du café glacé côte à côte. Le café est un lieu de partage qui se décline en de nombreux scénarios. Ses fonctions se diversifient de plus en plus et il se prête mieux aux fusions que d'autres lieux publics. Ils veulent en savoir plus sur votre vélo. J'ai fait un trajet à vélo de Chengdu jusqu'au Tibet. En chemin, j'ai vu que les habitants considèrent les cyclistes comme leurs égaux. Ils aimaient discuter avec moi. C'est le plus grand avantage du vélo, je pense. Plus tard, quand j'ai pris mon vélo pour faire du café dans les routons de Beijing, les voisins venaient. Ils étaient curieux et plaisantaient. Tu n'as aucun avenir en vendant des tisanes contre le rhume dans la rue. Parler avec les habitants, c'est très intéressant. De nombreuses personnes âgées m'ont partagé leur première expérience avec le café. Ce vélo spécialement équipé est le café mobile de Weihaiye. Depuis 2017, il circule avec dans les rues et ruelles pour y faire du café qu'il propose aux passants. Sa clientèle est très diversifiée. Les personnes âgées, assises dehors, viennent discuter longuement avec lui en buvant ses breuvages. Le quadragénaire a constaté que le café ne connaît pas les barrières et qu'il peut rapidement rapprocher les gens les uns des autres. Et c'est sa plus grande qualité. Qui veut goûter ? D'abord, sentez le café. Puis laissez-le reposer dans votre bouche pendant un moment avant de l'avaler.
Il ne contient pas d'alcool, mais il en a un peu la saveur. Pour la bière, le plus important est le brassage. Et pour le café, c'est la torréfaction. Une bonne torréfaction rend ce café encore meilleur lorsqu'il est froid. Il existe deux types de café glacé. L'un est le café infusé à froid et l'autre est le café glacé goutte à goutte. Le premier se prépare avec de l'eau froide. L'autre est extrait par filtration goutte à goutte pendant un long moment. Ce dernier se distingue par l'effet que produit l'air sur lui. La différence entre le café et le vin rouge est que ce dernier peut se conserver 10 ou 20 ans, contrairement aux grains verts qui ne sont plus frais dès l'année suivante. Ils aiment le sport, ils aiment le café. Bref, voilà un groupe de gens qui aiment la vie. Un bon café peut être une destination pour certains ou une étape pour d'autres.